Bonjour à tous, l'ami, c'est Gaël Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. Petite vidéo du samedi matin, les gars. Tout simplement, je l'avais promis, on a pris un peu de retard avec les nouvelles offres. Enfin, les offres du nouvel an lunaire, pardon. Et du coup, aujourd'hui, oh là là, ils ont remis des offres encore. Les gars. Alors, attendez. Déjà, l'offre des mégaboîtes m'intéresse pas parce qu'on est full max. Donc, ça m'intéresse pas. Et l'offre à 21 €. Elle donne 200 gemmes. Si j'achète les gemmes dans le shop, ça m'en donne. Ouais, non, ce sera pas intéressant pour moi. On va pas les acheter. On a failli, les gars, on a failli tomber dans le piège une nouvelle fois, et avec plaisir en plus, hein. Mais là, pour aujourd'hui, on va se prendre le pack d'émoticônes, et on va surtout se récupérer mon brawler qui est débloqué, le petit colonel Médor, voilà, et on va tout simplement lui débloquer ses niveaux, le gadget, le star power, le jouet. Donc j'espère que cette vidéo vous régalera. Juste avant, je vous mets le petit extrait où on l'a débloqué sans faire exprès, on est parti. Donc voilà les gars, rappelez-vous cet extrait, on faisait un pack opening, j'avais zappé qu'on pouvait le débloquer, vu qu'en fait j'avais atteint le palier 30 dans mes objectifs, et du coup je m'étais imaginé faire une vidéo pour le débloquer, et on l'a débloqué sans faire exprès dans la vidéo de l'autre jour. Donc les gars, je vous remettais la scène, c'était pour ça. Et on repart sur le compte, voilà. Donc du coup, là maintenant que le brawler est là, qu'il est débloqué, on va tout simplement le maxer. Donc comment faire les gars pour maxer un brawler? Mais c'est très simple. C'est très simple, il suffit de passer ces niveaux comme ça, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et tout simplement, il est niveau 9. Alors maintenant, vous allez me dire, tonton, comment on va faire pour débloquer le gadget? Alors les gars, je suis un espèce d'écureuil, je garde des boîtes tout le temps, et du coup on est sur le Brawl Pass de Colette, hein, il commence à dater celui-là, et on va tout simplement espérer avoir du clignoting. Le clignoting annoncera tout simplement le gadget et le Star Power éventuellement, ce serait juste incroyable. Bonus restant, c'est des doubleurs de jetons, on prend, ça fait plaisir, on va du coup ouvrir la méga boîte. J'ai peut-être une voix bizarre, les gars, je suis réveillé depuis pas longtemps, j'avoue le week-end c'est repos, du coup vous me direz si j'ai une voix bizarre. Dites-moi aussi en commentaire ceux qui ont réussi à débloquer le brawler. Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la chance? J'ai vu pas mal de brawlers comme Emery, Ambre, débloqués dans la méga boîte gratuite d'hier. Ça m'a fait plaisir, les gars. Franchement, les gars, c'est pas cool. Comme je vous l'avais dit, c'est le kiff. On a la méga boîte, elle est cadeau. Et il y en a qui débloquent des nouveaux brawlers. Donc ça fait plaisir, les gars. D'ailleurs, merci beaucoup pour la vidéo. Elle a fait 5000 pouces bleus, 60 000 vues. Vous êtes des fous furieux. Il y a un truc dont je voulais vous parler, les gars, juste avant qu'on continue la vidéo. C'était le code créateur Gaël. N'hésitez pas à rentrer un code. Hein. Ça s'enlève toutes les semaines. Donc vraiment, soutenez un créateur, ça fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire aussi un autre truc, c'est que vous êtes encore 60% les gars à pas être abonné à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir, c'est gratos. Activez la cloche de notif pour être au courant des sorties de vidéos. Voilà les gars, faites-vous plaisir, ça vous coûte rien, ça soutient les créateurs et ça fait plaisir. Alors est-ce que c'est pas le moment quand même les gars? Certes on parle pouce bleu, on parle abonnement, on parle de tout ça, mais il faut quand même débloquer des clignotings les gars. Ok, donc là pour l'instant on n'est pas sur le sommet du clignoting. Alors je rappelle qu'on peut être amené à ouvrir beaucoup beaucoup de boîtes, hein, pour choper des Star Power par exemple. J'ai déjà fait des openings, j'en ai ouvert une cinquantaine de boîtes, ça fait beaucoup, hein, qu'on a... Ah voilà. Ok, donc là objet restant 1, c'est le Star Power, c'est le plus dur à débloquer. Donc potentiellement on se met vraiment pas mal. On va quand même se faire... Oh non, on se fait pas de screen. Je récupérerai le screen après. Il manque le gadget du coup les gars. Il est là, le gadget de mon petit Médor. On va essayer de se le débloquer quand même. Parce que ce serait dommage. Il y a bien un gadget, hein, les gars. Je suis pas fou furieux. Je suis en train de me demander si on va pas ouvrir des boîtes. Je suis totalement capable de faire ça pour débloquer un truc qui n'existe pas encore. Non, il est bien sorti, les gars. On va l'avoir. Ça va clignoter dans peu de temps. Je l'espère, en tout cas. Et juste après, on prend le pack d'émoticônes. Alors, 97 gold, ok. Encore une méga boîte. Pourvu qu'on voit un clignoting, s'il te plaît, le jeu, sois gentil. Ok, le jeu, il a pas forcément envie de me faire kiffer. Ça, c'est du bonus. Ok. Alors, 158, tac. Là, dans la boîte, 60 gold. Alors, le gold, on se met bien. Le gold, il n'y a pas de souci. On se met vraiment très, très bien. La grosse boîte, là, il n'y a toujours rien. Dans celle-là, s'il te plaît, le jeu, sois gentil. Oh, ça cherche. Ça cherche quoi, les gars? Ça cherche le gadget, voilà, il est là. Oh non les gars, le boulet, putain, c'est le gadget de Mr. P, j'avais même pas fait gaffe. J'avais tellement en tête qu'on allait débloquer le gadget de mon petit colonel Médor que j'ai même pas vu le brawler, les gars. Je suis à fond sur mon objectif, le reste, je m'en fous. Putain, ça commence à faire un paquet de boîtes qu'on ouvre là, les gars. Alors, on aura déjà débloqué un gadget, vous me direz, et un Star Power, c'est quand même pas mal, mais c'est pas tout à fait encore suffisant, on en veut encore un petit peu. Allez, le jeu. Allez, le jeu. Les points de pouvoir, j'en fais rien, ils seront forcément perdus à la fin de saison. Et du coup, ils me les convertiront, je pense qu'ils me les convertiront en quoi? Aucun de vos brawlers ne peut être sélectionné, hein, vous pouvez changer les récompenses. Vous voulez qu'on fasse ça? En vrai, vous voulez qu'on fasse ça, les gars? Ah ouais, pour une grosse boîte, c'est pas fou.
C'est pas fou du tout, mais bon, en même temps, par contre, ça ouais, c'est une méga boîte là pour 500. Vas-y, on le donne. On le troque, les gars. On le troque, vas-y. Ah, les gars, celui-là, c'est le bon. Celui-là, c'est le bon, les gars. Il n'y a pas d'épique réaction foireuse. On est bon, ça part en screen également. Et là, du coup, mon brawler, il est maxé. On va pouvoir partir dans l'arène, voilà. On part en pack des modes vite fait. On a un Brock vraiment, vraiment stylé. Ça, c'est pas mal. Et du coup, les gars, on a tout simplement un pack des modes par là. Aussi, en espérant avoir une émote de Colonel Médor. Non, on peut pas. Oh, le Mr. P, il est incroyable. Alors, les émotes de Colonel Médor, on peut pas. C'est tout simplement parce qu'elles sont débloquables dans le Brawl Pass, les gars. C'est pour ça que je dis ça. Par contre, on a débloqué deux émotes épiques. C'est incroyable, les gars. Je crois que c'est très, très rare. Et deux épiques en même temps, là. Enfin, en l'espace de une minute. Je crois que c'est juste exceptionnel. Je les mettrai peut-être sur le screen, les gars. De la miniature, on sait jamais. En tout cas, on va partir en solo survivant. Ça fait plaisir de vous retrouver, même si je suis pas totalement réveillé. Je règle la vidéo aux alentours des 9h, les gars. Vous dites pas tonton, parce que je vais la publier vers 11h, je pense. Donc vous dites pas tonton, il dort jusqu'à 11h, c'est pas du tout mon style. Mais ah ouais, je vais couper la coopure à chaque fois, je me fais piéger. Alors c'est pas mon style, pas que j'aime pas dormir, les gars. C'est juste que j'ai deux filles. Quand vous avez des enfants, vous dormez plus. Hein. Je vous le dis direct, les gars. Je pense que la plupart de mes abonnés sont jeunes, mais les gars, le jour où vous avez des enfants, c'est fini. Hein. Oubliez de suite. Donc là, on a failli se faire éclater. On a failli se faire éclater, c'est la game de chauffe. Donc là, on a deux pots. Ok, on va. Alors, vous connaissez la map en général, les pots et la. Et le côté intéressant de la game se déroule au mid. Donc on va essayer d'y se rapprocher le plus vite possible. Ok, j'ai voulu pré-shot quelque chose, mais en fait, le mec. Le mec est pas super intelligent ou pas. Ok, ah d'accord, c'est un top 1 ça. C'est déjà fini, d'accord, ok. Ok, donc là, en vérité, on va juste se... On va faire rejouer un petit peu, histoire de s'enchaîner. Alors, bien sûr, la vidéo de 1 heure de rush sur Colonel Médor arrive bientôt, les gars. Mais on a été un petit peu dépassé par les événements, les nouveautés du jeu, là. Il y a un mec qui est caché là-haut, les gars. Alors, on va essayer... On se protège un petit peu. On va essayer de lui faire péter ça dessus. Normalement, il meurt, ok. Ok, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe pas mal, on est 7, on va essayer d'aller prendre le mid rapido. Alors on va quand même prendre les pots qui sont sur notre passage, les gars. On va quand même pas faire les mecs à snober les popos. Alors là on va quand même tenter un truc comme ça. Ok, j'ai gaspillé ça pour rien, mais c'est pas trop grave. On est à 7 pots, on est pas mal. Je vais récupérer le bouclier. Tac, c'est comme ça qu'on l'appellera, non j'en ai déjà un. Autant pour moi, les gars. Autant pour moi, je voulais les additionner. Je voulais les additionner à être niveau 1000. Ce n'est pas possible. Alors, on va quand même se mettre... Tac, comme ça. Et là, est-ce qu'il peut être assez bête pour tirer, vous pensez, les gars, sur les style IVM push? Il tire sur les sacs de sable. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le mec soit assez bête? Je pense qu'en vérité, c'est largement jouable. Il y a une Rosa par là. On va essayer de la push. Est-ce qu'on peut lui mettre par là, le truc? Elle se le prend, là? Elle se le prend pas, ok. Elle se le prend pas, mais elle est morte. Il y a forcément plus qu'un mec à tuer. On va quand même essayer de se farmer le robot, les gars. Autant se faire plaisir. Hein. On sera à 13 pots comme ça quand on aura récupéré les 3. Voilà. Il y en a une 14e au mid. On va la prendre. Alors là, il y a forcément un mec qui a moins de pots que moi. Hein. C'est pas possible. C'est juste impossible, les gars, quand on tombe sur un mec qui a autant. Donc on va un petit peu croiser. Oh, c'est un petit arcade. Il est coincé. Il est coincé de son côté. On s'abrite et on le shoot. Trop facile, les gars. Ça fait plaisir, les gars. Deuxième top 1 d'affilée, ça régale. Et tout simplement, on va quitter un petit peu le menu. Voilà, plus 20 trophées. Ah oui, je suis quand même monté assez haut en trophées, les gars. Ça fait excessivement plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on se tente un combat de boss avec? On se tente un combat de boss avec? Voir ce que ça donne. Oh, c'est une vidéo chill, les gars. C'est une vidéo cool. On est là pour... on était surtout là pour maxer le brawler. C'est ce qui me tenait le plus à cœur. Se remémorer un petit peu le moment où on l'avait débloqué. Du coup, on a débloqué les packs d'émotes épique, j'espère vraiment les copains que vous m'exploserez les pouces bleus. Je compte vraiment sur votre soutien. C'est dommage qu'il y ait des mecs qui aillent se faire tuer direct sur ce mode de jeu, parce qu'il y a quand même moyen de jouer un petit peu plus que faire ce qu'ils font là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais en même temps ça va passer large, c'est le niveau numéro, c'est le niveau 1, donc c'est quand même assez facile. Alors les gars, je vais faire un petit cut, juste pour vous couper le moment de la game qui est un peu ennuyeux, c'est un peu long de le dépop, le bot, le robot, et du coup, là c'est gagné, voilà, bon. C'est un brawler que je ne conseille pas du tout, Colonel Médor, sur les modes comme ça, parce qu'il y a carrément des brawlers qui DPS 100 fois plus. Mais par contre, faites ces modes, les gars. Ça rapporte des jetons, je le dis souvent, les gars, c'est pas que je vous fais la morale ou quoi que ce soit, mais je conseille vraiment de les faire, ça gratte des jetons, vous avancez dans le Brawl Pass, en fin de compte, et bah, c'est grave
grave stylé. Ça fait toujours ça de gratter. Donc les copains, on se fait une toute dernière game. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse une zone réservée pour tenter un petit peu? Je pense qu'on peut perdre, mais en même temps, on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, je validerai peut-être une quête en plus. Ça fait plaisir. Alors, Nita Colt Bull, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez débloqué le brawler, les gars. J'ai une vidéo pack opening de prêt, dites-moi quand vous voulez que je l'envoie. Je suis assez chaud, alors je voulais pas l'envoyer parce que c'est vrai qu'on a fait du pack opening pendant 2 jours. Et je voulais pas non plus forcer, quoi. Mais si vous êtes chaud, en vrai... Ah ouais, si vous êtes chaud, je suis chaud pour vous l'envoyer, moi. Ok, le Bull, il meurt. Ça va mourir. On va normalement casser... On casse tout. Je pense que je vais tout casser, ouais. En vrai, c'est tellement plus simple quand on leur casse tout. Je pense que mes frérots, ils peuvent récupérer le bouclier. Du coup, ils se mettront bien. Tac, elle a pas eu le temps de lâcher l'ours. C'est une bonne info. On va lui lâcher ça comme ça. Je pense que lui, il va se prendre la bombe. Je vais récupérer ça. On est vraiment pas mal pour l'instant. L'ours, je sais pas ce qu'elle attend pour la lâcher, l'Anita. C'est cool pour nous qu'elle le lâche pas, en tout cas. On a une tête, alors si lui veut récupérer le bouclier, il peut, on est en train de les défoncer les gars, c'est abusé. Franchement, c'est vraiment un jeu d'enfant, pour l'instant en tout cas. On va mettre une protection comme ça les gars, et je pense que c'est la win, elle est cadeau celle-là, mais vraiment les gars, quand on a des brawlers aussi bas pour faire les quêtes, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et ça fait plaisir les gars de ne pas être obligé de tryhard à chaque fois pour faire une vidéo, ça régale. En tout cas les copains, ce sera pas une vidéo plus longue, j'espère que ça vous aura plu. C'est toujours un plaisir de débloquer un nouveau brawler, même si on l'avait déjà débloqué il y a quelques jours. Et c'est toujours un plaisir en tout cas de le maxer. Là maintenant il n'y a plus qu'à le monter, objectif 750 dans un premier temps. Pourquoi pas rusher 1000, hein. Dites-moi si vous êtes chaud les gars. J'ai Byron 1000 à vous mettre d'ailleurs sur la chaîne, à vous publier. Voilà les copains, j'étais pas hyper speed dans cette vidéo, ça s'est ressenti. Je vous fais des gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.